C'est un peu, ça fonctionne un peu comme des modes, j'ai l'impression, de racisme. C'est qu'il y a une phase où les gens sont racistes, tout le monde trouve ça un peu normal. Et puis pendant 3-4 ans, par exemple, bah, ça va être à la mode d'être antiraciste et tout le monde doit avoir son copain immigré et ou s'entendre bien avec son voisin immigré. Et puis 4 ans plus tard, bah, c'est de nouveau normal. Comme voilà, après le 11 septembre, on a ressenti de nouveau un peu... une petite vague de racisme à la mode, comme ça. Je suis arrivé ici sur le visa de ma mère après que mes parents aient divorcé. Ma mère m'a laissé ici chez une de mes tantes. Et à l'époque, les frontières étaient un peu plus hermétiques que maintenant. Donc son visa ayant expiré, elle n'avait plus la possibilité de revenir tout de suite, donc on a décidé de me scolariser, de ne pas me laisser sans rien faire à la maison. Et plus tard, quand il a fallu décider de si je rejoignais ma mère ou pas, bah, je suis resté ici et j'ai continué mes études ici, quoi. Parce que j'avais finalement quand même toutes mes attaches ici, voilà. Quand on est enfant, c'est problématique quand, voilà, tout simplement, bah, les autres enfants, il y a les parents qui viennent les chercher à l'école, des choses comme ça, les conduisent à l'école, ils font des activités avec leurs parents. C'est vrai que ça, quand on est enfant, ça, voilà, c'est vrai que c'est quelque part, c'est douloureux. Il y a un moment où en secondaire, je devais me présenter, genre tous les mois, à l'administration pour renouveler mon titre de séjour, donc qui était valable à chaque fois que pour un mois. Puis après, c'était tous les 3 mois. Maintenant, je me présente à l'administration et ils me renouvellent mon titre de séjour pour 1 an à chaque fois. Ma petite amie, ben, je l'ai rencontrée dans un cours de capoeira à l'université. Alors c'est marrant parce que elle, par exemple, aussi, c'est une immigrée, mais qui vient d'un pays d'Europe. Alors étant blonde et blanche, elle ne passe pas pour une immigrée en Europe. Ben, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on va bientôt se marier, avoir un bébé. Faire plein de choses, quoi, comme tout le monde. Maintenant, le truc qu'on a en commun, je pense, c'est certaines idées, je pense, sur le monde et l'éducation. Je pense qu'on s'intéresse tous les deux à tout le monde et qu'on a tous les deux cette envie un peu de comprendre tout le monde, tout simplement. On n'est vraiment pas pareil, on est très complémentaires. J'ai commencé l'université, donc une fac d'éducation physique. Je me suis mis à des sports comme la capoeira, l'acrobatie. Les gars ? Ouais. Ensuite, j'ai monté mon club d'acrobatie pour donner moi-même mes cours d'acrobatie. Et de là, en fait, j'ai décidé de reprendre quand même des études d'éducation physique et sportive. Dont je suis en dernière année maintenant. Tu n'as pas trouvé une chemise plus bariolée pour ce cours d'art Et je me suis dit à un moment que je vais mettre une chemise africaine et puis j'avais peur qu'ils pensent que je me fous de sa gueule. J'avais pensé à ça.
fait, les gens ne fantasment pas sur mon pays, ils fantasment sur l'Afrique. Mais souvent en Europe, effectivement, on a tendance à considérer que tous les Noirs font la même chose. Comme par exemple, on a inventé la danse africaine. Voilà, c'est un peu bizarre, c'est comme si on inventait tout d'un coup une danse européenne. Et puis il y a tous les trucs, c'est des styles, les gens pensent encore qu'il y a la jungle partout en Afrique. Donc on m'a déjà demandé si j'ai vu des lions. Oui, j'ai déjà vu des lions au zoo, ici en Europe. En Afrique, j'avais pas vu tellement d'animaux étant enfant. Quand j'étais petit, je parlais français et lingala. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai parlé presque exclusivement que français, qui fait que je parle plus vraiment lingala. Ça, c'est peut-être le seul truc que je regrette un peu. Et c'est marrant parce que souvent, on taxe les immigrés qu'entre eux, ils parlent la langue de leur pays d'origine. Alors c'est marrant parce que parler plusieurs langues, c'est une richesse. Quand on va, par exemple, postuler pour un emploi, on vous demande toujours combien de langues vous parlez. C'est un des critères sur lesquels on vous embauche, en fait. Votre capacité à pouvoir communiquer avec le plus de gens possible. Mais que quelque part, on vous reproche de parler votre langue d'origine si ce n'est pas la langue d'une grande puissance. On arrive dans un pays où les gens sont différents. Et dans ce pays où les gens sont différents, il y a des gens qui arrivent aussi d'autres pays. Et ces gens-là sont aussi différents. Donc quelque part, faut comprendre tout le monde, ou alors on comprend personne, ou on essaye de comprendre tout le monde. Donc c'est soit on reste dans sa bulle, soit on fait l'effort d'aller vers un peu tout le monde, quoi, et comprendre voilà, pourquoi cela prie comme ça, pourquoi cela mange comme ça, pourquoi cela parle plus fort que les autres. T'attends pour quinquer quelqu'un? Ouais. J'attends Vlad, je vais le quinquer. Si t'as peur, attends le plus possible. C'est une optique club où j'apprends de manière carrée aux gens et à faire leurs acrobaties et à bien se comporter dans l'acrobatie, donc à respecter leur corps en fait. Donc fais l'acrobatie qu'on veut, on a le style qu'on veut, mais le côté ordre où on respecte quand même l'autre. Et je crois que ça appelle à beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, quoi, tout simplement, respecter l'autre. Un chouïa plus tard. Et puis, t'as l'espace public en fait, l'espace qui est à tout le monde. Et tu peux faire ton acrobatie dans l'espace qui est à tout le monde, sans gêner l'autre en fait, finalement. J'ai vécu tellement longtemps ici que je me sens plus d'ici. Après, c'est indéniable que je viens d'ailleurs. Et voilà, rien que ma couleur le dit donc. Est-ce que c'est moi qui me considère comme quelqu'un de différent finalement ici, ou c'est plus tellement l'image que les autres m'ont renvoyée de que je suis quelqu'un d'ailleurs qui fait que je reste quand même quelqu'un qui n'est pas d'ici, quoi.